Je pense que le projet, il est vraiment dans un souci de comment plonger les spectateurs dans un bain de sensations, dans un bain de lumière, dans un bain de son, dans un bain d'émotions, et qui se retrouvent vraiment complètement enfermés à l'intérieur de cette énorme boîte, et qui soient voilà, un peu comme dans une sorte de cabinet de photographe, ou comme dans une grotte, ou comme dans un lieu interdit, où tout d'un coup se développe une étrange atmosphère. Le dispositif, en fait, c'est un dispositif quadrifrontal, donc où il y aura assez peu de spectateurs. L'espace est entièrement débarrassé, et les musiciens ne sont pas dans l'espace. Voilà, donc les musiciens jouent en live, mais ne sont pas dans l'espace de projection. Au début, le projet était vraiment plutôt de travailler justement sur une musique uniquement électroacoustique, donc de ne pas avoir de présence des musiciens, pour être vraiment à l'intérieur voilà, pour permettre mieux une plongée aussi sur les effets visuels, hein, justement. Avec la danse, donc avec un corps, créer une musique qui n'en a pas forcément, ça me posait problème. Moi, j'ai vraiment besoin, autant que je puisse le faire, qu'il y ait du corps du musicien et que la musique vienne vraiment des musiciens. Et cette relation-là entre le corps et ce qui en découle au niveau de l'électronique, pour moi, elle est primordiale. Surtout quand on a un danseur qui est là et on a besoin aussi d'une présence, de sentir une présence physique. Et c'est vrai que les musiciens seront dans le studio en haut, avec une vitre, donc on va les voir. Nous, ça nous permet de faire une captation parfaite au niveau des instruments, ce qui n'est pas forcément le cas dans une salle avec les problèmes de retour, avec les problèmes des haut-parleurs, et surtout dans cette configuration-là où il y a beaucoup, beaucoup de haut-parleurs, donc ça a posé beaucoup de problèmes aussi au niveau acoustique. Donc on les verra quand même, et on sentira quand même une présence très très forte physique. En plus, la pièce est assez physique, donc cette relation-là, pour moi, était primordiale, vraiment, qui est le danseur et les musiciens. Les musiciens sont presque hors jeu, et pourtant, en même temps, ils abreuvent complètement l'espace, en fait. Ils sculptent l'espace, mais à distance. Je pense que le projet, il est aussi né de plein de sensations aussi à l'intérieur de cet espace. Donc, oui, c'est vraiment l'envie de. Quel type d'objet on peut imaginer pour cet endroit? Dans Nightlight, il y a un dispositif très particulier qui a un peu colonisé les ponts de l'espace de projection. Un travail aussi sur le brouillage et le floutage de la vision à partir uniquement de sources industrielles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire un choix de source aussi particulière. C'est uniquement des lampes à décharge. Donc déjà, c'est des lampes qui produisent un son quand elles s'allument, une espèce de grésillement. Enfin, en fait, on a l'impression qu'elles sont plus puissantes qu'elles ne le sont, qu'elles ont une vie propre. Et ce qui est très intéressant par rapport à la lumière classique, enfin, au projecteur classique qu'on utilise en spectacle, c'est que le projecteur classique se gradue et tout ce qu'il fait, c'est d'aller du moins fort au plus fort. Là, c'est aussi le cas, mais avec cette décharge, avec des teintes, suivant la montée lumière, des teintes qui changent. Et cette idée qu'on avait aussi d'utiliser uniquement les montées de ces lampes. C'est-à-dire qu'il y a entre 30 secondes et une minute de montée à chaque fois après la décharge. Et après, la lumière donne sa pleine puissance. Sauf que nous, on travaille, une fois qu'elle va donner sa pleine puissance, on la coupe. Donc une espèce de circulation comme ça, lumineuse de cet objet, avec uniquement des montées et des descentes. Et pas tant pour faire des apparitions, disparitions, parce que tout est toujours assez visible, puisqu'on a un brouillard et c'est assez lumineux. On ne fait pas. Mais pour cette idée de quelque chose qui commence, qui s'arrête, qui recommence et indéfiniment et qui tourne en boucle. Sur cette installation, en tout cas, en fait, le début du projet était plutôt de travailler sur un groupe de personnes, et donc de sculpter une sorte de meute, en fait.
Et puis, par rapport à cette idée de projection, d'espace de projection, au fur et à mesure que le projet avançait, j'ai trouvé plus juste en fait, de laisser une sorte de solitude dans cet énorme espace, donc de projeter un homme seul dans cet espace immense, et donc de travailler en fait, uniquement sur cette figure du solo. L'espace de projection porte bien son nom, parce que c'est vraiment de la projection sonore, quelles que soient les pièces, quelles que soient les... Là, c'est un peu particulier, parce que le dispositif est complètement... pas nouveau, mais on utilise très, très rarement cette configuration-là de la salle de projection avec le public qui est autour, avec un grand blanc de la scène, finalement, c'est là où généralement le public. Moi, je n'ai pas fait de lien tout de suite avec ça. Sur quoi j'ai accroché, c'est cette technique qui est en train d'être développée à l'IRCAM, dans cette salle, qui s'appelle l'ambisonique, avec un réseau multicanal de plusieurs haut-parleurs qui est en dôme, au-dessus du public, autour du public, et pouvoir vraiment faire un son à trois dimensions, et vraiment avoir une perspective, d'avoir des lignes quasiment parfaites de mouvement dans l'espace, et pouvoir maîtriser ça le plus clairement possible, comme on pourrait maîtriser dans le dessin, par exemple. Et cette technique-là, de projection sonore, est assez intéressante parce que y a un imaginaire de l'espace qui arrive et qui se libère. Moi, j'ai toujours voulu mettre de côté la question de l'espace, parce que je trouvais que c'était assez attaché à une certaine époque, on va dire les années 90 à peu près, quand... certains compositeurs se sont posés la question après Stockhausen, mais je voulais me mettre de côté, et en même temps, ça arrivait à un bon moment où là maintenant j'ai vraiment envie, avec mon écriture, de me poser la question d'un espace, d'un véritable espace sonore. Comment spatialiser, que ce soit des musiciens, là c'est pas le cas, mais ou le son, comment utiliser, ne plus travailler sur 8 haut-parleurs, mais avoir une multitude de haut-parleurs, et comment vraiment penser l'espace sans que ça soit, là encore, pour faire référence aux années 90, en gros, un espace référé uniquement au calcul. C'est un espace sensible. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc, l'espace de projection, oui, mais dans ce sens-là, dans cette technique-là de l'ambisonique. Ce qu'on ajoute aussi, c'est des micros au sol, qui datent depuis quelques années, hein, ça, c'est pas nouveau, et qui permet d'avoir vraiment, d'être entouré, que le spectateur soit entouré autant en dessous, d'avoir cette sensation de dessous, et avoir vraiment un espace autour, au-dessus de lui. Il n'y a aucun espace libre, j'allais dire, pour le silence. Et c'est important, et je trouve que c'est une technique qui arrive à point nommé, parce qu'aujourd'hui, par exemple, ne serait-ce que dans les salles de cinéma, on a quand même une diffusion sur 5 points, on va dire. Aujourd'hui, la technique a vraiment évolué, et je pense que comme dans le cinéma, il y a eu une volonté de passer à 3 dimensions. Alors, c'est souvent du gadget, mais il y a certaines œuvres qui peuvent être pertinentes à ce sujet-là. Le son, c'est la même chose. Là, on passe dans une autre dimension du son. On crée un environnement sonore complet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun espace qui peut être... qui est laissé vacant, qui est laissé libre. Et surtout avec une écoute presque... individualisé, on va dire, pour les spectateurs, puisque avec ces micros qui sont au sol, ils peuvent tous avoir leur son à eux, leur propre son. Et en même temps, entendre un éloignement du son qui est plus loin. Et c'est ce jeu-là qui est vraiment intéressant. C'est créer un espace, une sorte de géode acoustique.